De violents débordements ont émaillé une gigantesque manifestation en Espagne. Plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies samedi à Madrid pour une marche de la dignité. Venus de tout le pays, les contestataires dénonçaient entre autres l'urgence sociale, le chômage et l'austérité. Bueno, pues hoy es por todo generalizado, por la educación, por la sanidad, por la hipoteca, por los recortes, por todo, por la ley Mordaza, muy importante que no se nos olvide, y bueno, y por la corrupción tan grande que hay en España ahora mismo. Mais la manifestation monstre a tourné à l'affrontement. La police a chargé et tiré des balles en caoutchouc contre plusieurs dizaines de jeunes qui jetaient des projectiles. Quelques 71 personnes ont été blessées dans les échauffourées, dont 30 policiers et 41 manifestants. 17 personnes ont par ailleurs été interpellées. Il s'agissait de la plus grosse manifestation depuis les défilés de 2012. Le chômage touche 26% des actifs du pays, soumis à une politique d'austérité depuis 2 ans.